Bonjour, bonjour. Retrouvons-nous aujourd'hui pour la notion de calcul mental numéro 30. Trouver la partie entière d'un quotient. Essayons de comprendre comment trouver la partie entière d'un quotient. Prenons l'exemple 390 divisé par 100. Cela revient à chercher combien de billets de 100 je peux échanger contre 390. Je vais donc chercher dans 390 combien de fois 100. Dans 390, il y a 3 fois 100, donc 390 divisé par 100 est égal à 3, c'est la partie entière, et il restera 90. Effectuons le calcul posé pour vérifier. Je pose 390 divisé par 100. Je cherche dans la table de 100 un résultat qui se rapproche au plus près de 390 sans le dépasser. C'est 300. Il s'agit de 3 fois 100. Donc 3 est la partie entière et il restera 90. À présent, observons la technique. Avec l'exemple suivant, 7368 divisé par 10. Dans 10, il y a un 0. Donc, nous allons enlever un chiffre à la droite du nombre de départ pour trouver la partie entière. Ce sera donc le 8 qu'il faut enlever. On en conclut que 7368 divisé par 10 est égal à 736 et on peut rajouter qu'il resterait 8. Faisons un deuxième exemple qui est 15697 divisé par 100. Dans 100, nous avons deux zéros, donc nous allons enlever deux chiffres à la droite du nombre de départ pour trouver la partie entière, ce qui nous donne 156 comme partie entière et il restera 97. Observons un dernier exemple avec 6241 divisé par 1000. Dans 1000, il y a 3 zéros. Donc, nous allons enlever 3 chiffres à la droite du nombre de départ pour trouver la partie entière. Nous allons donc supprimer le 2, le 4 et le 1. Nous en concluons que 6241 divisé par 1000 est égal à 6 et il resterait 241. À présent, entraîne-toi, tu as 1 minute 10 pour faire ces 14 calculs. C'est parti! Voici venue la correction. 845 divisé par 10 égale 84, il reste 5. 6324 divisé par 10 égale 632, il reste 4. 1015 divisé par 10 égale 101, il reste 5. 39 divisé par 10 égale 3, il reste 9. 7096 divisé par 10 égale 709, il reste 6. 6039 divisé par 100 égale 60, il reste 39. 597 divisé par 100 égale 5, il reste 97. 50103 divisé par 100 égale 501, il reste 3. 9346 divisé par 100 égale 93, il reste 46. 764 divisé par 100 égale 7 et il reste 64. 5312 divisé par 1000 égale 5, il reste 312. 72315 divisé par 1000 égale 72 et il restera 315.
60 134 divisé par 1000 égale 60, il restera 134. Et enfin, 8 769 divisé par 1000 égale 8 et il restera 769. À la semaine prochaine pour la notion de calcul mental numéro 32.